Oh waouh, c'était incroyable. T'es vraiment un amant au top, hein? Sérieux, tu trouves? Ouais. Et pourquoi? T'as carrément ce qu'il faut. Ouais, Ce qu'il faut? bah, tu sais, les grosses, elles me font mal. La tienne, elle est parfaite. J'ai gagné. Et à quel prix? Salut madame, votre portefeuille. Oh mais merci beaucoup, c'est super gentil. Et vous monsieur, vos billets. Merci beaucoup monsieur. On est vraiment tête en l'air, hein, c'est pas possible. Mais vous savez, on n'est pas tous des voleurs. C'est vrai que les clichés en France, c'est... faut arrêter quoi. Ah, et attention, vous avez fait tomber votre... Creeper. Tiens, je comprends pas. C'est normal que j'ai que des bananes depuis le début du jeu. J'ai l'impression que le jeu essaie de me faire passer un message là. Ah mais non, t'inquiète, ça doit être un bug. Et moi les gars? Ouais, qu'est-ce qu'il y a Abdel? Voilà, c'est normal que j'ai que des bombes. Ah ouais, c'est bizarre. Serge, ça bug toi? Envie de moi, merde, j'ai que des pièces moi. Non mais là, il y a un problème. T'es sûr c'est Mario Kart? Putain, mais c'est quoi ce jeu? Mario Kart Z, le nouveau jeu d'Éric Zemmour. Si t'es blanc, tu gagnes. Écoute bien, si tu prends la pilule rouge, tu obtiendras 1 million d'euros. Mais par contre... Non. Un million. Non mais il y a une contrepartie. Et où ma thune? Oui non mais il y a une contrepartie. Oui non mais je m'en fous de ta contrepartie. Million d'argent. Toi c'est pour ça que t'as pas de meuf. Montre bien c'est quoi la contrepartie. Certes, tu obtiens 1 million d'euros. Mais toute ta famille meurt. Oh non. Ouais. On est arrivé à devoir pleurer dans ma nouvelle Tesla. C'est quoi, c'est même pas drôle. Oh c'est malin. C'est marrant ce cadre là, on dirait que tu vas me quitter. Bah oui, c'est logique ouais. Quoi? Mais pourquoi? Non mais t'inquiète pas, c'est pas moi, c'est toi. Mais comment ça? Y'a des gens qui aiment bien se faire chier dans la vie, tu vois. Pas moi. Mais comment ça se faire chier Bah enfin, on n'est pas compatibles, tu comprends. Enfin, tu finis jamais la fin de mes... Pattes? La fin de mes... Voiture? Non, toujours pas. Lessive, vaisselle? La fin de mes phrases. Putain, tu captes rien. Ah ouais. Mais attends, mais c'était pas évident du tout ton truc aussi là. Bon écoute, enfin j'ai besoin de temps pour moi. C'est vrai? Non, je rigole, non, vraiment la décision elle est obvious. Enfin, y a pas besoin de réfléchir pour comprendre que t'es quelqu'un de banal. Alors, est-ce que je suis un homme? Non. C'est à moi. Est-ce que je suis une fille? Oui, très belle fille. Calme-toi quand même. Oui, t'es très belle, mon amour, c'est sûr, mais calme-toi. Ok. Est-ce que je suis connue? T'es une star. Enfin, je veux dire, à mes yeux. Si je peux me permettre, faut définir star. T'es pas connue du grand public, donc t'es pas une star à proprement dit. Bon, bah pour moi, okay. Oui, mais bon, selon Camille, non, donc non. Bon, bah, ok. Ok, est-ce que je suis un homme? Oui. Extrêmement bégé. Est-ce que par exemple tu pourrais sortir avec ce gars? Ouais, alors attends, non, c'est pas du tout la direction du jeu là, c'est quoi ça? Non, mais si on était pas ensemble, bébé, oui, en vrai, oui, je saute dessus. Ah oui, donc tu sautes dessus toi, toujours plus, super, Ariane. Mais bébé, ça va, c'est pour le jeu, je lui donne des indices et tout. Mais, hein, mais c'est pas des indices là, c'est carrément des révélations ton truc là. C'est bon, c'est à moi là. Est-ce que je suis pas un homme? Est-ce que je suis une femme? Non. Je suis pas un homme, je suis pas une femme, je suis quoi du coup? Non, mais Camille, non, c'est non. C'est un jeu donc si tu réfléchis pas, c'est trop facile. Ok, à moi. Est-ce qu'elle est en couple? Ah bah alors à ce moment-là, il faut définir couple. Ah bah y a rien à définir, couple c'est couple. Pas couple, c'est pas couple. Là, elle est en couple. Point barre. C'est à moi. Est-ce que par exemple, Camille pourrait être jaloux de cette personne. Ouais, en vrai, ouais. Mais j'ai rien du tout, ça va pas ou quoi? Non, je suis pas du tout jaloux. Si, arrête, tu parles de lui tout le temps quand même. Mais je parle de lui parce que je connais, c'est tout, je suis pas jaloux. Ok, donc jaloux. Ouais, jaloux. Jaloux, jaloux. Okay. Jaloux, jaloux, jaloux. Ce serait pas moi quand même. Si, mais t'as non. Trouvé, je mais te non. Jure. Ah purée. Attends, mais j'avais quoi? Moi-même? Ouais. Oh, t'as dit que j'étais une star? Oh, t'es trop mignon. Ah, putain, casser les couilles, moi j'avais quoi? Le néant. Ah super, merci. Non mais voilà, j'ai personne aussi, casser les couilles. Ça va? Non, arrête bébé, là, c'est bon, on plombe pas l'ambiance. Et je plombe pas l'ambiance, c'est bon, c'est que vous m'avez saoulé, j'ai plus envie de jouer là. J'ai ramené un twister, je sais pas si ça te tente. Ouais, mais alors par contre, il fait un petit peu chaud là. Bah ouais, donc on veut pas jouer. Bah si, on pourrait se mettre en maillot par exemple. Mais t'es ouf. On fait bah ça? Ouais, vas-y, let's okay, go. Cool. Ok. Bon, et toi, tu ramènes quoi pour l'apéro ce soir? Eh bien, je pensais à des cacahuètes et de l'eau. Et pourquoi des cacahuètes? Ta copine elle est pas allergique à ça? Ah oui, c'est vrai. Comment tu sais? Quoi? Parce que je me souviens pas de t'avoir parlé de ça. Non, non, mais pendant le nouvel an, tu te rappelles, elle m'avait dit... Mais j'étais avec ma famille au nouvel an. Ah oui, c'est vrai. Bah, ça devait être écrit sur son statut Facebook, je sais pas. Je t'ai jamais parlé d'elle. Mais non, mais j'invente rien. Elle s'appelle Léa, elle est tatouée, elle est brune. Hé, je rigole. Elle a pas de tatouage en plus, ma copine. Oh, mais t'es con. Bah oui, je me fous de toi depuis le début. Dis quoi, oublie les cacahuètes. Je ramène du saucisson. Bah c'est pas cool pour ta sœur, elle mange pas de porc, non? Comment tu connais ma sœur, toi? On se met quoi ce soir comme film? Un film de cul? Vous dites? T'es pas chaud? Oh là là, bah je sais pas. On en a jamais vu ensemble, on peut tester peut-être? Ah, c'est peut-être pas fait pour en même temps. Allez, t'es pas chaud, ça va rajouter un peu de piment là. C'est le fond du tube de Larry, ça. Hein. Pour une fois, c'est une activité qu'on fait tous les deux, au lieu que tu la fasses tout seul. Hein. Quoi? N'importe quoi, je fais jamais. Petit branleur, va. Eh oh,
Bon, le pignouf, c'est à bout, hein, on viendra tous à bout. 18 ans, c'est confirmé. Oh là là, elle y va en plus. Quelle catégorie? Oh, pff, moi, tu sais, chérie, vraiment, j'y connais rien, tout ça. Hein, je... T'es plus quoi, toi? Ouais, tu manges la ouais, tout simple, c'est bien, ça, c'est des bonnes catégories. C'est un copain qui m'a dit. Oh, la vache. Elle est énorme, on dirait une écharpe. Après, si t'as peur de l'attraper froid, je peux te passer ma beuteuse. T'es gentil, je vais attraper un rhume avec la tienne. Je suis vexé. Et ben, c'est bien. Du coup, c'est quoi le programme maintenant? Bah, je sais pas, comment ça? Je sais pas, t'as l'air bien concentré, donc normalement devant un film, on mange des pop-corns. Ça me donne pas très faim, honnêtement. Ouais, je suis d'accord, hein, pas ouf, pareil. Après, si tu me branles, à la limite, je te fais un smoothie au lait de queue. Allez, nickel, on va se faire un épisode de Friends. Ouais, ça marche. Ouais. Tu veux une tisane? Ouais, petite sodo. Non. Bonjour. Bonjour. J'aimerais refaire mon passeport, s'il vous plaît. Oula, non, ça va être très compliqué, ça, monsieur. Déjà, il faut prendre rendez-vous avec nous. C'est déjà fait, c'est bon, c'est aujourd'hui à cette heure-là. Mais vous n'avez pas le formulaire de demande de passeport, et ça, tant que vous ne l'avez pas, moi, je ne peux rien faire. Mais vous n'avez pas les photos d'identité. Ah, les photos d'identité. Aïe, aïe, aïe. D'accord, très bien. Une petite une seconde, s'il vous plaît. Ah, merci. Ghislaine ? Ghislaine ? Oui ? Oui, il y a un monsieur qui veut refaire son passeport, là. Oui, il l'a, ça. Oui, il l'a aussi, ça. Mais je vais pas m'en... Mais... D'accord. Très bien, monsieur. Merci beaucoup, vraiment. J'avais vraiment envie de faire toute la procédure aujourd'hui. Hein. Après, si c'est un mauvais moment pour vous, moi, je peux... J'ai cru qu'on s'en sortirait jamais. C'est bon. C'est bon? Ouais. Mais là, comme ça, en un clic? Ah, bah voilà, merci. Vous voyez tout le travail qu'ils nous font faire? Bébé? Oui? T'es trop moche. C'est pas cool, hein? Non mais sérieux, Géo, je vois pas la différence entre ton visage et ton gros orteil. Ah ouais, tu veux me faire? Eh ben toi, ton blush... Quoi? Bah quoi? Non mais t'es sérieux, là? Franchement, t'es obligé d'être méchant comme ça? Je pensais qu'on se taquinait. Vas-y, c'est bon, tu m'as saoulé. Ah, donc on peut plus d'hack ici? Bonjour. Bonjour. Je vais vous prendre un ticket de métro, s'il vous plaît. Alors, ça fera 25 euros, s'il vous plaît. Combien? Ah, c'est les JO, ma couille, hein. En raison des Jeux Olympiques, les stations Bala, La Motte-Piquet-Grenelle, Invalides, Concorde, Richelieu, Bonne Nouvelle, République, Bastille... Non, j'ai pas fini. Dominique, Porte Dorée. Non, désolé, la route est bloquée, il y a l'épreuve des Jeux Olympiques. Ouais, mais j'ai... Mais c'est quoi l'épreuve? Biche volée. Il y a même pas de sable. Ah, c'est pas mon problème, ça, monsieur. Et sinon, tu fais quoi dans la vie? Je suis actrice. Trop bien. Film d'auteur? Non, film porno. T'es dans le porno? Ça t'en est? Que... Ah non, mais pas du tout. Attends, en plus, moi, j'adore le porno. Hein. J'ai une culture immense. Ah, super. Et puis, c'est un métier comme un autre. Hein. En général, un peu flipper les mecs, quoi. Ah ouais? Bah, moi, je suis pas du genre à flipper. Hein. Je crois que ça se voit. Les mecs, ils aiment bien regarder des vidéos comme ça, mais les filles qui les font, un peu moins. Bah ça, tu vois, c'est dégueulasse. Puis, j'ai toujours peur que je les compare à des collègues. Oh, ça, c'est débile, de toute façon. On le sait que c'est fake, personne n'a un bambou à la place du sgeg. Ah, pour le coup, ça, c'est vrai. Oui, mais personne dure aussi longtemps. On le sait, c'est connu, il y a des petites piqûres comme ça, tu tiens de ouf. Ah non, mais il n'y a aucun trucage, hein. On a une éthique, nous. Et oui, l'éthique, bah, oui, l'éthique du porno. Après, je te rassure, hein. Je fais totalement la différence entre vie pro et vie perso. Eh oui. Tu peux totalement faire un gangbang assise dans une cave le matin et puis un petit dîner romantique aux chandelles le soir. Ah, le romantisme, de toute façon, c'est le top. J'ai plus de café, moi. Attends, mais si on arrête de parler de cul, parce que j'aime de parler boulot. C'est quoi, toi, ton type de meuf? Bah, moi, c'est les grosses connes superficielles. Et toi, c'est quoi? C'est les machos, ceux qui respectent pas vraiment les femmes. Et physiquement? Moi, il me faut vraiment un mec avec un gros portefeuille. C'est pas physique, un portefeuille? Oh, en vrai, moi, tant que le portefeuille est gros, je regarde pas trop. Et toi? Gros cul, gros sein, grosses lèvres. Sinon, ça passe pas, ça m'intéresse pas. Ah non, mais t'inquiète, enfin, tu feras de la chirurgie. Ah, ça serait trop bien. Bah, voilà. C'est quoi ta plus grande qualité? Moi, c'est mon portefeuille. Et toi, c'est quoi? Bah. Quoi? Bah, je suis belle. Ah putain, je croyais que t'avais un cerveau pendant deux secondes. Bah non, pourquoi faire? Dès qu'elles ont un cerveau, de toute façon, les meufs, elles deviennent insupportables. Du coup, dernière question, ils disent quoi les gens sur toi? Faut savoir, moi je suis archi hypocrite, donc en général, les gens disent que je suis gentil, quoi. Quoi? Gentil? Non, mais enfin, parce que je suis hypocrite. Attends, hypo quoi? Je comprends rien à ce que tu dis là. En gros, je dis pas ce que je pense, je dis aux gens que je fais semblant d'être sympa avec eux alors qu'en fait, je suis un connard. Attends, donc là, si je comprends bien, tout est faux depuis le début, t'as pas de gros portefeuille. Si, j'ai un gros portefeuille. Je peux pas, y a trop de green flags. Ah non, ça va pas être possible. Quoi? Oh là là, meuf, il avait trop de green flags, c'est pas possible. Je suis vraiment désolée pour la crise de jalousie que je t'ai faite tout à l'heure. Non, mais c'est moi, j'aurais jamais dû envoyer à ma mère je t'aime par message, mais qui fait ça? En tout cas, j'ai vraiment de la chance de pas avoir un mec jaloux. Je suis comme ça. Bon, bah, je vais à ma soirée, mais pas de son là. Par contre, les gars, hein, vous la protégez. Hein. Ouais, t'inquiète, on a des capotes. Je t'aime. Moi aussi. Moi aussi. T'inquiète.
On se complète, les gars. Alors, pourquoi mon entreprise et pas une autre? Parce que les autres m'ont pas rappelé. Que savez-vous de notre entreprise? Rien. Votre plus belle réussite? Une tarte à thym, mais une fois j'ai réussi une citron meringuée. Quelles sont vos qualités et vos défauts? Bordélique, tout le temps en retard, et aussi je suis assez impatient. C'est-à-dire? Ça m'est déjà arrivé de cracher sur la gueule d'un client. D'accord, et pour les qualités? Gros baiser. Mais je suis pas sûr que ça serve à l'entreprise. Quoi. Effectivement. Vous pouvez me parler de votre ancien employeur? Une grosse salope. Professionnellement parlant, j'entends. Ça change pas la réponse. Alors quelles sont vos prétentions salariales? Bah, je sais pas, vous pouvez donner combien? C'est pas comme ça que ça marche. Bah, pour 10 000? Pour livrer des pizzas? Bah, pourquoi pas, hein. Il y a bien des députés qui touchent la même chose pour jouer à Clash of Clans sur les bancs de l'Assemblée nationale. Et la dernière question, pourquoi vous et pas un autre? Non, moi, à votre place, choisirai l'autre.